Commencerait par un grand enjeu, c'est déjà si on décidait de redevenir des bons Terriens et qu'on appréciait notre place sur cette planète incroyable qui a permis l'émergence de la vie il y a 3,8 milliards d'années. Alors on se dit que peut-être il y a d'autres planètes dans l'univers qui, certainement qui hébergent aussi la vie, mais pour le moment celle-là nous a permis de grandir, de naître et à nos ancêtres aussi dans une biodiversité qui nous est indispensable. La vie nous est indispensable, elle est en nous, elle est autour de nous. Donc déjà apprécier cette place incroyable dans l'univers qui est quand même un grand vide sidéral. Pour la plupart du, du temps, j'aimerais pas grandir sur la Lune, même si je la trouve très belle à regarder dans le ciel. Retrouver cette conscience au niveau planétaire, je trouve que c'est un des, un des grands enjeux. Après, comment ça se décline, ce grand enjeu, euh, c'est peut-être avoir non plus une approche par secteur, alors la protection de l'environnement, le bien-être individuel, les besoins humains fondamentaux, mais une approche systémique pour répondre à vraiment le cahier des charges que cette planète nous demande d'avoir. Ça veut dire prendre soin de soi, au mieux que l'on peut, prendre soin de sa société, par des processus de décision, de gouvernance, qui soient les plus vertueux possibles, et prendre soin des écosystèmes et des, des environnements naturels qui nous hébergent et qui nous permettent d'être là. Cette santé commune, pour moi, est un des enjeux vraiment importants de l'époque que nous traversons. Un des freins principaux, c'est certainement, euh, comme nous disons parfois l'institut, les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. En fait, on a créé des industries, on a créé des capacités incroyables. Justement, je parlais de la lune, jusqu'à aller sur la lune, à quitter la planète Terre. Et donc, l'intelligence humaine nous a permis de faire des choses absolument remarquables, et en même temps, qui prennent extrêmement peu en compte ce qui se passe dans le système qui nous accueille. Quel est le cahier des charges émergent finalement depuis 3,8 milliards d'années Et ce cahier des charges émergent, il nous dit des choses. Il nous dit que par exemple, ce n'est pas une très bonne idée de dépendre de manière excessive de ressources extraites de la croûte terrestre. Donc une économie excessivement extractive et basée de la création de valeur sur une économie excessivement extractive, ce n'est pas, pas une bonne idée, tout simplement parce que c'est un cul-de-sac annoncé sans parler des dégâts euh, que les mines, par exemple, etc., peuvent causer sur les environnements naturels et, et bien souvent sociaux aussi, hein, dans les pays euh, qui essayent de se développer. Ensuite, il y a aussi euh, une question qui est euh, la vision silotée, euh, réductionniste, où on pense que pour bien comprendre, il faut tout saucissonner en partie. Et ça, je vais vous prendre un exemple, c'est comme si euh, je vous disais, ben, je vous goûter un plat délicieux et je vais vous expliquer comment... Euh, point par point, ingrédient par ingrédient, pourquoi vous ressentez ce goût. Et vous voyez bien que la complexité, ça fonctionne pas comme ça. Et donc ça nous permet, cette vision réductionniste, de faire des choses extrêmement intéressantes, construire des avions, des barrages, etc. Mais ça ne nous permet pas d'appréhender ce qui se passe dans les systèmes complexes comme les systèmes vivants ou même les systèmes sociaux, qui sont aussi des systèmes vivants, dans les écosystèmes. On continue à appliquer en fait une vision réductionniste pour essayer de comprendre la complexité. Il ne faut pas confondre complexité et complication. Il y a des outils pour appréhender la complexité. Si vous êtes en train à Dakar en train d'essayer de traverser la ville en vélo, ou à Paris, eh bien c'est une situation extrêmement complexe, et pourtant vous naviguez en complexité. Vous ne savez pas ce qui va sortir du prochain carrefour, mais vous naviguez en complexité, mais c'est d'autres outils que vous mobilisez. Et pour ça, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc ça c'est un autre enjeu, le désir d'avenir. On ne sera pas certain de quel rivage on va aborder, mais par contre, on sait à peu près dans quelle direction on aimerait aller. Et pour le moment, donc troisième enjeu, je pense qu'il nous faut travailler aussi sur des récits qui nous donnent envie d'avenir. On nous parle beaucoup de ce qui ne va pas et de ce qui peut continuer à ne pas aller. Il faut voir ça en face. Il faut s'ancrer aussi dans le, 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 le plaisir, la gratitude d'être sur une planète aussi belle, malgré tous les problèmes, qui nous a permis d'être là. Regarder en face les problèmes que l'on doit relever tous ensemble. Problèmes du climat, bien sûr problème de la destruction massive de la biodiversité et problème des inégalités, problème humaniste, des besoins humains fondamentaux qui ne sont pas remplis dans bien des zones du monde. Si on ne la réussit pas à affronter, enfin affronter à, à, comme dans une aventure, à aller essayer de résoudre ces problèmes ensemble et non pas encore une fois de manière réductionniste, comme je le disais tout à l'heure, on risque de recréer d'autres impacts qu'on va déplacer ailleurs. Donc cette vision systémique, elle doit s'ancrer vraiment dans euh, utiliser la vision silotée quand c'est nécessaire et utiliser aussi, dans bien des cas, une vision qui est beaucoup plus euh, intégrée. J'ai eu une chance extraordinaire dans, au cours de ma carrière, bon, déjà de grandir euh, en, en Afrique du Nord, en Algérie en étant né dans une biculture normande et algérienne par mon papa, et d'avoir grandi au bord de la Méditerranée, d'être dans une famille qui avait quand même les moyens aussi d'aller dans le désert, découvrir des environnements de temps en temps aussi en France et ailleurs dans le monde. Ce qui m'a donné en fait la chance de voir des choses que beaucoup de gens aussi n'ont pas forcément eu l'occasion de voir. En tant que biologiste, j'ai fait mes études au Canada, j'ai découvert les milieux polaires après avoir découvert les déserts chauds, très très jeunes. Le désert du Sahara, entre autres, dans différents pays, l'Algérie, le Niger, le Mali, la Mauritanie, etc. Euh, et puis, euh, d'avoir une carrière chez Cousteau aussi pendant 13 ans, le commandant Cousteau, euh, en tant que directeur science environnement de l'équipe Cousteau et de la Cousteau Society. J'ai travaillé en mer rouge, j'ai travaillé au Mexique, et puis je suis chef d'expédition polaire depuis plus de 25 ans, sur des navires polaires qui vont dans l'Arctique comme en Antarctique. Donc j'ai eu beaucoup de chance, j'ai vu des choses merveilleuses. Et en même temps, j'ai vu ces environnements changer particulièrement les environnements polaires face au changement climatique. J'ai vu la réduction de la banquise d'été, j'ai vu l'impact sur certaines populations d'animaux polaires, j'ai vu les blanchiments de coraux. Donc émerveillement et inquiétude. Et euh, à partir d'un certain temps, à quelques années chez Cousteau, euh, mon travail était entre autres d'avoir une approche intégrée des espaces maritimes qui essaye de faire le lien entre protection de biodiversité remarquable comme au Soudan où il y avait encore des populations de, de requins en bonne santé, des coraux magnifiques, mais aussi besoins humains fondamentaux. Sur la côte, avec des populations en grand besoin dans des pays qui sont en crise ou en post-crise, comme on dit dans le langage des Nations Unies. Et c'est pas possible dans ces endroits-là de dire au pêcheur qui va prendre un requin et couper l'aileron parce que ça va lui permettre de vivre, tout simplement. Non, tu le fais pas, c'est pas bien parce que nous on a envie d'avoir des requins. Il faut trouver une autre solution. Il faut faire en sorte que protéger la biodiversité, ça lui permet de remplir aussi ses besoins humains fondamentaux. Donc on a mis en place avec Cousteau, avec l'aide de plein d'autres partenaires comme l'UNESCO, euh, le PNUD par exemple, un projet assez ambitieux pour essayer d'avoir donc un parc national qui fasse un petit peu ce genre de, de travail. Il y a eu des réussites, on a contribué à le faire classer patrimoine mondial de l'UNESCO, mais en même temps quand vous avez des phénomènes récurrents de blanchiment de coraux, quand vous avez donc les impacts de l'acidification des océans, et à un moment donné j'étais complètement découragé, à quoi ça sert d'essayer de faire des bonnes pratiques sur le terrain si tout ça peut être balayé par des choses qui sont en fait globales, vous voyez la marée de polluants et de plastique qui arrive dans les océans ou dans l'atmosphère. Donc j'ai eu un moment de découragement. Je me rappelle très bien. C'était au Spitzberg, donc un archipel proche du pôle Nord, dans un endroit très loin de toute civilisation, toute ville. On était sur la côte est du Spitzberg dans un petit bateau et puis on observe un ours blanc qui était aussi curieux de nous que nous l'étions de lui avec des gens qui étaient là pour pour l'étudier. Un endroit magnifique, une banquise virginale, une lumière polaire d'été magnifique. Et euh, un jour plus tard, de navigation, on débarque près d'un glacier et on est très loin de toute civilisation. Il hein, n'y a personne autour de nous. Un magnifique glacier et à côté de ce glacier-là, dans une crique, on tombe sur des déchets plastiques avec un morceau de filet, deux rennes qui avaient essayé de traverser un bras de mer qui s'étaient pris dans les filets, des sternes arctiques. Vous savez, ces magnifiques oiseaux qui font une migration du pôle sud au pôle nord, c'est un des plus grands migrateurs qui s'était pris aussi dans ces filets et qui était mort. Et là, le contraste m'a vraiment frappé au cœur. Je me suis dit comment finalement... Et ce qui m'avait vraiment frappé, c'est qu'il y avait en plus une bouteille en plastique de shampoing bio et un morceau de Lego. Et je me suis dit, mais il n'y a pas un ingénieur qui avait envie que ça finisse comme ça. Il ne s'agit pas de dire, eux, c'est les méchants, et de l'autre côté, c'est les bons. Il y a un problème systémique de, de lien au vivant. Et peut-être, ce n'est pas par hasard que cette année-là, pendant un congrès mondial d'une organisation qu'on appelle l'IUCN, Union internationale de conservation de la nature, j'ai rencontré... Euh, mon ami gauthier chapelle qui, avec qui je, je travaillais sur des thématiques liées aux pôles euh, et aussi aux mammifères marins qui m'a parlé du biomimétisme et là quand j'ai rencontré ça avec euh, un autre ami hein, karim lab qui était avec moi à ce moment-là on a décidé de rajouter le biomimétisme dans notre stratégie pour monter en amont pour influencer les grandes entreprises, influencer les concepteurs, les designers. Et voilà, donc finalement, maintenant, je suis, paradoxalement, j'ai quitté le milieu du terrain de la conservation et de l'approche intégrée des... pour passer aux industries, euh, aux équipes de RD et essayer de faire en sorte de comprendre qu'est-ce qui émerge de 3,8 milliards d'années d'essais et erreurs et qui garantit qu'on est compatible avec les règles de vie qui semblent être nécessaires sur cette planète Terre qui est encore si belle. Voilà euh, où oui, est mon engagement actuellement. Le biomimétisme, c'est l'art de s'inspirer de la nature pour innover. Mais pas innover pour n'importe quelle raison. Innover pour essayer de répondre aux grands enjeux de la transition dans laquelle nous sommes des enjeux écologiques, des enjeux humanistes. La bio-inspiration, c'est vieux comme l'humanité. Mais le biomimétisme, c'est une américaine, une femme, qui s'appelle Janine Binius, qui a posé cette intention-là. De dire, oui, s'inspirer du vivant, c'est bien, mais si c'est pour continuer à détruire le vivant, ça n'a aucun sens. Il y a trois grandes façons de s'inspirer de la nature. Il y en a une qui est d'apprendre des résultats de l'évolution. Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, quand vous voyez un arbre ou un coquillage ou un corail En fait, c'est le résultat l'évolution a trouvé, la nature a trouvé pour répondre à des tas d'enjeux qui viennent de l'environnement. Euh, la forme de l'arbre, l'architecture la, de l'arbre, la composition des feuilles, etc. Donc ça c'est apprendre des résultats de, de l'évolution et on peut très bien, par exemple, en ayant compris les principes qui se retrouvent dans l'architecture d'un arbre ou d'un corail, et eh bien en utiliser ces principes pour l'architecture, pour le design d'objets, par exemple, le fait, la, la dimension fractale, la répartition des forces. Si je prends l'exemple même pour ceux qui aiment la Tour Eiffel, peu de gens savent. Alors ce n'est pas du biomimétisme, c'est plutôt de la bioinspiration au départ. Gustave Eiffel a travaillé avec un, un ingénieur allemand qui s'est inspiré de l'os de fémur humain. Vous savez qu'en fait une coupe de l'os de fémur, vous avez des, des lignes en fait de matière, et c'est comme des espèces de petites cellules en fait à l'intérieur. C'est voilà. Pourquoi Parce que le corps va déposer de la matière que sur les lignes de force. On n'est pas dans le moule où on met de la matière partout, on met juste là où c'est nécessaire. Et donc, vous avez une structure extrêmement résistante avec un minimum de matière. Alors, ce n'est pas de l'éco-conception, mais du coup, vous consommez moins de matériaux. Donc, quelque part, c'en est, même sans le savoir. Donc, ça, c'est pour la forme. Euh, ça peut être aussi pour les matériaux, la photosynthèse, par exemple, des plantes. Quel merveilleux panneau solaire <laughs> Que euh, une feuille Et quand vous regardez une feuille, nous, nos panneaux solaires, de quoi on a besoin On a besoin de terres rares, substances extraites de la croûte terrestre, souvent qui vient de l'autre bout du monde, on a besoin de chambres blanches avec haute pression, haute température, solvants toxiques la plupart du temps pour les fabriquer. Donc on est dans un paradoxe où on veut aller dans la transition énergétique pour arrêter de détruire le capital naturel et en même temps répondre aux enjeux humains, et on le fait en continuant un petit peu les mêmes règles qu'avant. Je ne dis pas qu'il faut arrêter tout de suite, mais on voit bien que c'est une transition, il faut aller vers autre chose. Qu'est-ce qu'une feuille une feuille, un arbre, il va utiliser les ressources disponibles autour de lui, il ne peut pas bouger. Il va fabriquer à pression et à température ambiante. Et le solvant, c'est pas un solvant toxique, c'est l'eau. Et en plus, ce panneau solaire-là, si vous voulez, à la fin vous pouvez le manger. Beaucoup d'espèces le font. Et votre salade est un panneau solaire que vous mangez avec une bonne. Vous voyez, c'est extraordinaire si on commence à imiter ce cahier des charges. Et on peut se dire c'est l'utopie Ben non. Il y a plein de personnes à travers le monde qui travaillent sur la photosynthèse artificielle. Un autre exemple, vous prenez du verre. Un verre pour boire. 1000, 1200 degrés Celsius pour faire du verre. Une petite algue qui vit dans les, les océans, qui, il y en a plein qui ont des formes extraordinaires, qui inspirent aussi les architectes. Mais là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'elles ont un squelette fait en verre. C'est aussi des éponges hein, qui ont ça, avec des squelettes magnifiques, euh, faits en verre. Ils prennent de la silice dans une eau à température ambiante. Pour cette éponge même, elle est à 3, 4, 5 degrés, l'eau, parce que c'est de l'eau profonde. Et il y a de la biosynthèse du verre dans de l'eau à température ambiante. Est-ce que nous, humains, qui nous sommes autoproclamés sapiens sapiens, doublement intelligents, on ne serait pas capable de faire comme une éponge qui a des milliards d'années Eh bien, si, c'est possible. Clément Sanchez, eh bien, biosynthèse du verre, procédé sol-gel. On a remplacé la civilisation industrielle du feu par l'eau. Donc, c'est très enthousiasmant. Quand on se donne ce type de cahier des charges, oui, l'intelligence humaine peut fonctionner à plein. Après, excusez-moi, donc ça c'est apprendre des résultats de l'évolution. Après, on peut apprendre des processus évolutifs. Comment la sélection naturelle fonctionne, les algorithmes génétiques. Donc ça c'est plus le côté informatique, digital, enfin digital, algorithme on va dire, parce que c'est pas forcément que le digital la solution pour les appliquer. Donc c'est vraiment le côté algorithmique pour optimiser. Euh, par exemple, c'est comme ça, les processus d'optimisation, que nos GPS ont été influencés par ce qu'on appelle l'algorithme des fourmis. Comment les fourmis vont, euh, grâce à des hormones que quelques-unes vont laisser une fois qu'elles ont trouvé de la nourriture, elles reviennent directement au nid. Elles laissent un signal hormonal qui va rester plus ou moins longtemps dans l'environnement que d'autres fourmis captent et du coup elles vont pas perdre du temps à aller chercher partout. Elles vont aller directement au chemin le plus court. Eh bien cette façon de faire, il y a des mathématiques qui peuvent être extraites de ça, un algorithme qui sert au GPS, mais qui sert aussi au routage et télécommunications. L'algorithme des abeilles, c'est il y a des abeilles qui partent explorer pour trouver un champ de pollen. Elles vont trouver de la ressource et puis à un moment donné elles vont l'exploiter avec d'autres insectes. Et puis il va en rester encore de cette ressource là, mais ça vaut plus la peine de faire toute la distance pour aller la chercher parce que finalement le retour sur investissement énergétique il est plus intéressant. À quel moment elles décident d'arrêter alors qu'il reste encore de la ressource Donc le ratio exploitation exploration. Algorithme des abeilles. Voilà, c'est quelques exemples. Et puis le dernier, qui est le plus important pour, pour moi et pour la, la communauté des gens qui s'intéressent au biomimétisme, c'est apprendre des recettes de succès de l'évolution. Ce cahier émergent dont je parlais tout à l'heure. Ces principes du vivant qu'on ferait bien, nous, Homo sapiens sapiens aussi, de respecter. Pour la chimie, j'en ai dit quelques-uns, l'eau comme solvant universel miser sur les atomes les plus abondants plutôt que les atomes rares. Ce qui peut aussi se transformer en miser sur les ressources les plus abondantes pour nos économies plutôt que miser sur les ressources rares. On est dans une déséconomie qui donne de la valeur à ce qui est rare. Comment vous voulez qu'on soit dans un partage équitable si dès le départ, ce qui est précieux est avant tout rare Le vivant, s'il fait ça, eh bien, au bout d'un certain temps, il y a un cul-de-sac. Donc, les atomes du vivant sont les atomes les plus abondants. Il y a des atomes rares aussi, mais qui sont en, en... en trace, quoi vraiment infime parce que ça apporte un tel avantage qu'on les utilise quand même. Un autre principe, c'est tout déchet de l'un est une ressource pour l'autre. Quand on y pense, on, je, je, Dieu merci, on est en train de sortir de ça, comment des concepteurs ont pu un jour concevoir quelque chose en se disant, bah, après, pour le reste, on verra de toute façon, on s'en fiche, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais c'est impossible que ça fonctionne dans un système clos. C'est impossible, à un moment donné, on a forcément un problème. Donc maintenant, on essaie d'influencer les designers, les équipes de RD. Toute conception doit prévoir, dès le départ, dès qu'on commence à dessiner le concept, ce cycle de vie, ce qu'on appelle un cycle de vie, jusqu'à la fin de vie, en sachant que la fin de vie n'est pas forcément la seule solution. Quand vous recyclez quelque chose à la fin, vous dépensez beaucoup plus d'énergie dans le processus, c'est toujours mieux que si c'était perdu dans l'environnement à polluer les environnements, et les humains font partie de ces environnements, mais c'est bien mieux de reconditionner. Par exemple en Afrique, c'est extraordinaire de voir l'art du reconditionnement, où finalement tout est utilisé, réutilisé. Ben, c'est bien plus performant que nos sociétés dans bien, dans bien des cas de ce point de vue-là. La réutilisation est quelque chose de très vertueux et il faut, il faut en fait qu'on change de paradigme par rapport à ça. L'objectif ne doit pas être de consommer. Mais bien d'avoir un lien à l'objet complètement modifié. On n'est pas dans l'obsolescence euh, presque programmée par la publicité où tous les ans il faut changer de smartphone ou changer de vêtements. Au contraire, ce qui devrait avoir de la valeur, c'est de garder, réparer, transmettre, comme c'était le cas dans, dans, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a aussi un autre principe qui est par exemple misé sur la coopération plutôt que sur la compétition. Surtout au niveau de la complexité. Il y a de la compétition dans la nature, bien sûr. Mais ce qui crée le plus de valeur, surtout au niveau système, c'est les coopérations, les symbioses. Voilà, tout un ensemble de principes comme ça qu'on essaye de partager comme une sorte de cahier des charges qui donne envie, en fait, de se resynchroniser avec euh, le, la toile de la vie et les grands flux euh, du vivant. Nous, espèce humaine, on est un singe euh, très particulier. Un singe qui est capable de se représenter sa place dans le monde. On est Certainement pas la seule espèce, mais on a très fortement cette capacité. Un dauphin, par exemple, est capable aussi de se représenter sa place dans le monde. Il y a ce qu'on appelle, les scientifiques appellent le test du miroir, de savoir si une espèce est capable de reconnaître son image. Ah, ça, ça, ça c'est moi. Ça veut dire qu'on a conscience de soi. Donc, ça veut dire qu'on a conscience aussi des autres, si on a conscience de soi. Et ça, c'est extraordinaire, cette capacité-là. Parce que ça nous permet la poésie, ça nous permet la philosophie, ça nous permet les récits, les, les contes, mais ça nous permet aussi de développer des modèles de développement, par exemple, qui sont des modèles conceptuels, qui peuvent créer des choses incroyables, mais qui nous masquent intellectuellement ce qui se passe vraiment dans le système qui nous entoure. Quelque part, certains insectes, certains animaux, qui n'ont pas ces, cette capacité discursive de réfléchir le monde, sont en prise directe. Donc un truc qui fonctionne pas, ben on va pas se demander, on va pas dire non. C'est la croissance telle qu'on l'a conçue, c'est absolument ce qu'il faut garder. Ben ouais, mais il y a pas mal d'indicateurs que le système te renvoie qui te dit, cher singe intelligent, que ça fonctionne pas, et ça peut pas fonctionner. Regarde le climat, regarde la biodiversité, regarde les inégalités. Il faut trouver autre chose. Non 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 non, c'est ça, c'est ça. Ça c'est voilà résistance conceptuelle à ce que le système nous envoie comme information. Donc le biomimétisme, c'est prendre en compte cette information-là, prendre en compte la capacité de l'humain de s'émerveiller aussi, s'émerveiller du vivant, s'émerveiller de sa place sur la planète, sans être entraîné dans le, le côté négatif de développer des concepts qui le déconnectent complètement de ce qu'il vient de découvrir. Donc c'est en même temps le savoir et l'émerveillement, et en même temps finalement un peu comme une prise de judo aller là où ça nous déconnecte, c'est-à-dire dans le côté technologie, le côté performance, etc., pour ramener de nouveau l'émerveillement par rapport au vivant et faire en sorte que là où normalement ça nous déconnecte et ça crée des problèmes, eh bien, ça soit une source au contraire de reconnexion, d'émerveillement et de resynchronisation. Et ça, c'est vraiment l'intention du biomimétisme. C'est l'alliance entre la compréhension de la dynamique des systèmes vivants, de la biologie et de l'ingénierie écologique et l'humanisme aussi. Et ça, c'est très important parce qu'attention si on oublie aussi cette partie humaniste il y a eu des catastrophes dans l'histoire où des gens se sont inspirés de leur mauvaise compréhension du système vivant par exemple la sélection naturelle ça a donné quoi le darwinisme social ça a donné euh, les camps de concentration nazis au bout du compte donc l'humanisme et la compréhension euh, biologique de ce qui se passe sur notre belle planète J'applique en fait euh, un principe de réflexion structurant pour être certain qu'on n'est pas en train de sortir du jeu que je viens essayer de vous proposer. Et ces principes s'appellent les principes du. Euh, Excusez-moi l'acronyme FFSD, c'est Framework for Strategic Sustainable Development. Au-delà de l'acronyme, je vais vous expliquer très simplement de quoi il s'agit. Euh, en gros, hein, un peu plus, euh, il y en a un peu plus que ça maintenant, mais il y a quatre grands principes pour vraiment s'assurer qu'on est dans de la conception. Qui est en phase avec ce que je viens de proposer. C'est si on parle de développement durable, est-ce qu'on peut parler de développement durable si nos modes de production ou de consommation dépendent de manière excessive de ressources extraites de la croûte terrestre Premier principe. Je pense que c'est logique, normalement, quand on, voilà. Effectivement. Comment peut-on parler de développement durable si c'est basé sur des ressources euh, finies Deuxième principe, peut-on parler du développement durable si nous sommes dans euh, des processus de production les processus de consommation, mais principalement de production, qui génèrent des substances chimiques qui vont rester en, dans, dans l'environnement. Donc, ils ne vont pas euh, être capables de se dégrader naturellement, ou en tout cas sur des tons vraiment, vraiment trop. Hein. Donc, c'est tout ce qui est lié à la pollution, et entre autres aux pollutions persistantes. Deuxième principe. Troisième principe, peut-on parler de développement durable si nos modes de production, nos modes de consommation, entraînent la destruction physique des écosystèmes Déforestation, euh, surpêche, euh, les mines qui détruisent, euh, etc. Et le quatrième principe, qui peut se décliner en d'autres ensuite, mais pour simplifier, je resterai là-dessus, peut-on parler de développement durable si nos modes de production, nos modes de consommation créent des barrières structurelles qui empêchent certains humains d'accéder à leurs besoins humains fondamentaux Ça, ces quatre principes, on doit les prendre ensemble, C'est n'est pas l'un ou l'autre. Et là, on définit en fait un espace de jeu où il y a plein de parties qui peuvent être jouées. Nous, on propose le biomimétisme comme règle de jeu dans cet espace-là. Mais il peut y avoir d'autres choses, l'économie circulaire, l'économie euh, coopérative, il y a plein de choses qu'on peut... Mais l'espace est sécurisé, on sait dans quel champ d'innovation on peut jouer. Et franchement, c'est extrêmement puissant en fait. Comme euh, C'est très simple, il y a plein d'entreprises qui ont appliqué ce genre de, de cadre, il y a des outils derrière, il y a plein de choses, hein, ça je vais vraiment simplifier. Se donner... Comme référentiel, ce type de cadre, ça permet ensuite le déploiement de plein de choses intéressantes et qui euh, se synchronisent les unes avec les autres sans forcément qu'il y ait eu de concertation. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, euh, sans forcément que ça soit d'ailleurs déclaré biométisme, parce qu'encore une fois, c'est l'intention qui, plus que le nom biométisme, qui compte, on a par exemple une approche. Euh, qui consiste à s'inspirer de la façon dont certains écosystèmes vont créer de la valeur naturelle, y compris dans des environnements au départ extrêmement pauvres. Si je reprends l'exemple des récifs de coraux, pourquoi les plongeurs aiment bien aller observer les coraux Parce que l'eau est claire, donc elle est pauvre en fait en éléments. Ce qu'on appelle une eau oligotrophe. Et pourtant, quelle incroyable diversité, quelle incroyable création de valeur, quelle incroyable économie quelque part. Eh bien, en essayant de comprendre comment ça fonctionne, on peut finalement se rendre compte que le jeu, de la diversité des espèces, explique beaucoup le jeu du déchet de l'un qui devient la ressource de l'autre explique beaucoup cette performance. Encore une fois, j'insiste, au départ dans des systèmes qui sont pauvres. Alors ça demande un peu d'investissement, il faut que ça se mette en place, ça prend, voilà. Mais là, alors, quand on commence à s'inspirer de ça, c'est exactement ce qu'on fait dans la permaculture, c'est exactement ce qu'on fait dans l'agroforesterie. Et là, on commence à voir ce qu'on appelle des réponses synergiques, c'est-à-dire je vais répondre à un besoin humain, mais je vais répondre à des besoins de tas d'autres espèces autour. Là, ça devient intéressant. Il y a un projet en Afrique qui est inspirant aussi. Le projet qui a été lancé au Bénin, qui s'appelle Songai, où vous avez dans un environnement un peu urbain, en fait, un bouclage des flux, sur la base de l'agriculture, mais sur la base de l'éducation également, où les déchets de, de, de je ne sais pas, par exemple de la... La production de poulet devient en fait des ressources pour la production de poisson. Il y a des, des légumes, des fruits qui sont produits. C'est des zones aussi où il y a toutes sortes d'activités sociales. Alors là, on est dans une approche où on joue sur les diversités, on ferme les flux de matière, d'énergie, d'information, et on crée de la valeur d'une manière incroyable. Donc, c'est en train d'arriver. Alors, ils n'appellent pas ça forcément biomimétisme. Certains, d'ailleurs, maintenant disent qu'ils font du biomimétisme, comme M. Jourdain s'est rendu compte qu'il faisait de la prose. C'est génial. Ce qui compte, ce n'est pas le mot, c'est le signal, en fait. On s'inspire de la nature pour recréer de la valeur humaniste et répondre aux besoins humains tout en répondant aux besoins des écosystèmes. C'est une question euh, qu'on me pose souvent, surtout que je travaille pour l'Institut des futurs souhaitables. Donc, euh... Alors, c'est une question. Euh... Je ne suis pas le seul d'ailleurs à citer Gramsci, sans pour autant être communiste, un communiste qui était enfermé en prison dans les années, au début, enfin, début du XXe siècle, et qui avait dit, dans des conditions assez difficiles, hein, juste avant la montée du fascisme, bon, pessimisme de la raison, optimisme de la volonté. C'est mon positionnement. C'est-à-dire, des fois, c'est dur quand on voit les indicateurs, mais en même temps, quel choix on a si ce n'est celui de continuer à essayer de miser sur le fait que même s'il y a peu de chance, eh ben on va lui donner un maximum de chance. C'est là où la prospective des souhaitables intervient. Il faut avoir le désir d'y arriver, sinon c'est de l'autoprophétie, bien sûr. Si on considère que c'est plié, c'est plié. La difficulté avec cette question, c'est un. <laughs> Il y a Je un, sais. une et des Je plutôt. Sais. Mais je vais commencer quand même par... Euh, bon, mes premières sources d'inspiration, ça a été clairement euh, la Méditerranée et, et ce qu'elle contient. Tout petit, d'émerveillement, d'envie de découverte. Et puis après, il y a un monsieur que beaucoup de gens connaissent peut-être encore à travers le monde, qui est plus parmi nous depuis longtemps, qui s'appelle le commandant Cousteau, qui m'a ouvert un peu plus une lucarne sur ce qui se passait au fond des océans, et il l'a fait avec des millions de personnes à travers le monde. Donc clairement, il a été tout petit une source d'inspiration, et c'est pour ça que j'étais tellement heureux de travailler pour... Euh, son euh, organisation, même s'il n'était plus là quand j'ai euh, rejoint la Cousso Society. Et puis, euh, dans le biomimétisme, donc voilà, je ne suis pas en train de répondre avec un, il y a eu aussi eh ben, Janine Binius, cette américaine qui a posé le concept. Quand j'ai découvert, j'ai eu la chance de la rencontrer aussi avec d'autres. Il y en a tellement d'autres, euh, Francisco Varela, sur l'approche de la compréhension de la dynamique subtile des systèmes vivants. J'aurais du mal en fait à tous les citer. Mais en tout cas, tout mon parcours n'est fait que de rencontres qui m'ont permis en fait, d'avancer sur, sur mon chemin de compréhension. Et je suis toujours en train d'avancer et je suis toujours émerveillé de rencontrer des nouvelles personnes qui sont porteuses, parfois sans même être forcément connues, euh, mais simplement parce que sur le terrain, elles font des, elles font des choses remarquables. Donc j'aurais du mal à toutes les citer. Et je ne vais même pas essayer parce que ça ne serait pas rendre hommage à leur diversité. <laughs>